Ça nous est déjà tous arrivé, je pense, d'entendre une musique à la radio et de ne pas forcément l'aimer, mais pourtant de la retenir. Pourquoi? Parce qu'on l'entend tout le temps. Là, c'est mort. Même si on ne l'aime pas, on finit par l'aimer, on finit par la chanter, on finit par twerker dessus, tout ce qu'il faut, mais on finit par connaître la musique. Et c'est le même principe pour les cours, plus ou moins. Mais en tout cas, ça fonctionne de la même manière. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la mémorisation. C'est le truc qui m'a honnêtement le plus embêtée depuis que je suis en médecine. Parce qu'en fait, dans les classes inférieures, que ce soit au collège ou au lycée, si je n'apprenais pas un cours par cœur, ce n'était pas grave. Du moment que j'avais compris le cours, je pouvais plus ou moins me débrouiller pour avoir de bonnes notes, etc. Mais le truc, c'est que... ça ne marche pas exactement comme ça quand on est en médecine. Faut vraiment en fait savoir des trucs, faut vraiment poser, déjà connaître la base, et ensuite il y a un minimum de choses quand même à connaître par cœur. Et quand tu n'es pas habitué, ou même quand tu es habitué mais étant donné qu'il y a énormément de trucs à apprendre, des fois ça peut être compliqué. Voilà, alors en fait, dans cette vidéo, je vais vous parler de la répétition espacée. C'est vraiment une méthode qui est super. Comment ça marche? Je vous pose les bases. Le souci, c'est que j'ai vu l'énorme quantité de choses qu'il y avait à apprendre. Je me suis dit, mais mon Dieu, je ne vais jamais réussir à apprendre tout ça. Donc déjà, il y avait ça. Et ensuite, plus j'apprenais et plus je me disais, je n'aurai jamais le temps de revenir sur ce que j'ai déjà appris. Donc j'apprenais tout le temps et tout le temps et tout le temps de nouveaux cours sans revenir sur les anciens. Mais le problème, c'est que le cerveau, enfin voilà, il s'en fout de ce que tu veux retenir ou pas. Si tu as vu un truc une seule fois, il va se dire, oh, c'est pas important, allez, je passe, j'oublie, je retiens la musique que j'entends tout le temps, voilà. Mais il va pas se dire que le cours que tu apprends là, c'est vraiment un truc que toi, tu veux retenir. Donc c'est toi qui dois, bon, toi, tu es ton cerveau, enfin, vous êtes, bref, vous avez compris le truc. Mais tu dois hacker ton cerveau. Si tu veux vraiment apprendre un truc, il faut le répéter. Il faut le faire plusieurs fois. Et là, ton cerveau comprendra que c'est une information importante et que ça, il ne faut pas qu'il oublie. Mais attention, il y a un délai. Ton cerveau, il oublie après. Déjà, il oublie, on va dire, bon, la moitié des informations dans les heures qui suivent. Du coup, tu retiens probablement que l'essentiel. Mais si tu restes 3, 4, 5 jours, c'est bon, dis-toi que t'as quasiment tout oublié. Donc, ce que moi, je te conseille de faire, ce que, en tout cas, je fais, c'est que, par exemple, à J1, j'apprends un cours. Je le lis de la manière la plus sérieuse possible, c'est-à-dire sans distraction. J'ai fait une vidéo sur comment éviter de procrastiner et essayer de mieux étudier. Puis aller regarder. Et après, ce que je fais, en fonction du temps, si c'était un cours qui était vraiment long, voilà, j'ai fini avec ce cours parce que voilà, j'en peux plus de ce cours. Mais si c'était un cours qui était assez buvable et que j'ai vraiment apprécié, je prends une feuille, je note direct tout ce que j'ai retenu du cours, je fais le comparatif avec le cours et puis là ensuite voilà, je sais qu'est-ce que j'ai retenu, je revois un petit peu 2-3 trucs et puis c'est bon, c'est fini. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, ce qui est vraiment important, ce qui va faire que tu vas, que je... Bref, que tout le monde puisse retenir ce foutu cours, c'est de le revoir. Mais moi, franchement, je vous dis, essayez de le revoir 2 jours ou 3 jours. Moi, je préfère le revoir 3 jours plus tard. Mais le petit truc que j'ai rajouté, je sais pas s'il y a des personnes qui font ça, c'est qu'en fait, avant même de regarder le cours, je reprends une feuille de brouillon et... je note tout ce dont je me souviens. Alors il y a un truc, c'est qu'en général, quand j'apprends un cours, forcément il y a des gros titres, j'essaie de au moins mémoriser les gros titres. Ensuite, par exemple, j'essaie de meubler par rapport aux parties, mais j'essaie en tout cas de retenir les gros titres. Et ensuite, donc non, je me mets un chronomètre de 30 minutes pour faire ça, donc la restitution, je me donne 30 minutes, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Franchement, moi, c'est juste parce que j'ai pas envie de passer trop de temps à revenir sur un cours. Donc, restitution 30 minutes, ensuite, je prends mon cours, bam, je fais le comparatif. Tout ce qui est bon, je mets un truc rouge pour me dire, ok, c'est bon, ok, ok, ouais, oh ouais, j'ai retenu ça, oh ouais, c'est trop cool, ouais, la bombe, enfin bref, voilà, ton cerveau, il est génial. Pas tout à fait, mais bon.
Et ensuite, tout ce que j'ai oublié, les trucs importants que j'ai oublié, je note ça en rouge. Je mets un attention, ton cerveau, tu as oublié ça, donc je le vois, je vois le attention, je vois ce que j'ai oublié, je le note en rouge. Voilà, la première, donc les deux premières phases sont déjà bouclées. Et ensuite, je refais la même chose une semaine après. Donc là, je reviens pas 3 jours dessus, puisque vous imaginez, je dois faire ça pour tous les cours. Donc, 3 jours, non, 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 merci. Mais je vous, franchement, tu fais le premier, tu fais ça, J1, J3, J7. Et ensuite, plus tu apprends, enfin, plus tu reviens sur un cours, et moins tu auras de temps à passer dessus. Mais également, moins tu aurais à revenir dessus. Donc, c'est vraiment la base, en fait. Franchement. Mais des fois on a tendance à oublier la base et je voulais vraiment poser ça ici, maintenant. C'est un truc qu'on me disait, mais je n'écoutais jamais ça, mais vraiment je suis passée par là, je sais que c'est vrai, apparemment des fois il faut tomber, se relever pour comprendre. Ben là je vous le dis, le cours vous le connaîtrez comme votre poche. Et franchement je vous dis un truc, c'est que ça marche. Mais n'oubliez pas, si vous voulez vraiment voir si vous avez retenu le cours, trouvez une méthode ou une manière de faire en sorte de savoir si vous l'avez vraiment appris. Donc moi, je vis seule, donc je préfère au préalable noter. Il y a une très bonne méthode aussi, c'est essayer d'expliquer la leçon à quelqu'un qui est dans votre filière, ça peut marcher, ou soit qui n'a rien, mais strictement rien à voir. Si vous arrivez à expliquer une leçon, c'est que vous avez compris la leçon. Et honnêtement, si vous n'arrivez pas à expliquer certaines notions, vous sauriez par la suite sur quelle partie du cours il faudrait que vous repassiez. Donc voilà, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il fallait vous dire. Donc je récapitule. 1. Lisez votre cours intensément, de la manière la plus concentrée possible et avec le moins de distractions. 2. 3 jours plus tard, revenez sur le cours. Mais avant de revenir sur le cours, restituez vos connaissances sur une feuille. Ouais, c'est ça. Ouais. 3. Une semaine après, faites exactement la même chose. 4. Une semaine encore après. Enfin, vous avez compris le truc. Mais c'est vraiment l'idée que je vais vous faire passer. En tout cas, j'espère que ma vidéo pourra sincèrement vous aider parce que c'est vraiment un truc qui est important, je pense. Quand on a des filières comme ça, il faut apprendre énormément de choses. N'ayez pas peur, ne vous dites pas que vous avez trop à apprendre et que du coup, vous n'avez pas le temps de revenir sur vos cours. Parce que je vous jure, le pire truc qui peut vous arriver, c'est qu'au final, vous passiez tout votre temps à réviser et qu'à la fin, vous vous rendiez compte que vous avez tout oublié. Autant aller à la plage et ne rien apprendre, quoi. Voilà. Allez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Lisez votre cours until end. Le meilleur apprentissage, c'est par l'explication. Bam.